Discours d'un Bochiman enregistré par phonographe. Voici un des premiers exemples d'enregistrement simultané d'images et de sons. La synchronisation de cette séquence a été effectuée à Vienne en 1987, après la découverte du cylindre de cire Edison, porteur du son original. Il y a un point, 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 il y a un point